Salut les amis. Allez, ben aujourd'hui on part de la maison. Tu vois, je pars sur la route. Je vais récupérer les copains sur un parking un peu plus loin. Et on repart à l'assaut du fenouiller qui est là-bas. Donc au programme, de très très belles descentes encore bien engagées. On va encore se régaler. Tout ça dans le rayon de 10 km. Et ouais, oblige. Ça va qu'on a de la chance. On a un super terrain de jeu tout autour de la maison. On va pouvoir diversifier les sorties. Allez, on a récupéré les collègues, il n'y a plus qu'à partir se régaler sur le fenouiller. Premier coup de pédale, on va rejoindre la première longue montée qui va nous ramener tout en haut quoi. Ah, pas photo. Allez, on est presque en haut. Regardez ce beau maillot. Allez, première descente. Mal au genou, ça tape du coup. Oh, elle est toujours aussi belle ça. Allez, on va s'arrêter là, on va filmer les copains. Yes. Ils sont pas beaux. Ouais, joli. Allez. Allez, c'est reparti pour moi. On a chié. What? Ouh, bien sûr. C'est une sortie de route. Comme elle l'a dit. Allez, go, go, go. Ouh, j'ai la truc, elle s'est accrochée dans ma montre tout à l'heure. Elle me voit trop. Hop, 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 hop. Et voilà, fini pour cette petite première partie. Ah, ça dit bien. On va aller chercher la deuxième maintenant. Allez, deuxième partie. Deuxième partie, deuxième partie. Hop, 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 on lâche un peu les freins, il faut. Tac. Bing bang boum. Hop, hop, hop. On prend les virages comme il faut et on se lâche. Ouais, joli celle-là. Elle est faite celle-là. Allez, c'est parti pour remonter maintenant. Allez, ça remonte. Du coup, un petit peu plus tranquille pour le moment parce qu'on n'est pas allé chercher le. Celle qui est en haut du goudron. On a coupé tout droit. Donc on va aller chercher celle de la vigile arrière directement. On en profite un peu là. Ça descend. Débloquer le morceau, tant pis, plus le temps. Ah, celle-là est toujours aussi ludique. Comme faut croiser le drone, ne croiser personne dedans. Qui se relance au milieu, la goulotte. Là, tu peux te prendre les affaires sur les côtés là. Là, tu ne vises pas dans le virage. Et voilà. Il n'y a plus qu'à aller chercher le bon coup de pétard. Chou. Et voilà sur quoi on tombe. Et après, derrière, bon, ça gâche un peu le paysage, mais il y a les copains.
Allez, on y va. On monte à la vigie. Tranquillement, mais sûrement. Vu la descente qui nous attend, je vais te dire, ça se fait avec plaisir. Qu'on devait avoir. Bon, elle est pas longue, mais quand t'as monté ça, t'es content. Tu vas pas en avoir bouffé des bonbons hier. T'as de cracher le sucre là. Allez, on y est. Bon, on est quand même venu chercher ça. Ah, par exemple. Hein. Bon, vous l'avez déjà vu sur les dernières vidéos quand même. C'est du réchauffé. Et on est toujours là. Et on a toujours la banane. C'est parti. Allez, coin, coin, on y va. Lâche pas le guidon. Elle est bonne celle-là aussi. Après il y a le fameux petit toboggan, tu sais, qu'on voit à la fin. Je vais me mettre là-bas pour les filmer. À moins que je change d'endroit, je sais pas, on va voir. Oh putain, mais quel est. Ça glisse aujourd'hui un petit peu là, c'est poussiéreux. À moins que je me mette là pour filmer. Là ça me paraît pas mal aussi. Allez, on va se mettre là, on va les attendre là pour changer. Yes. Allez, c'est reparti. Là, ils vont m'entendre en bas sur la descente pour se foutre de ma gueule, vous allez voir. J'en suis sûr. Comme d'habitude, c'est moi qui les attends. Allez, deuxième partie. Putain, j'ai pas vu la petite ordure. Oh oui, joli ça. Pop, pop, allez hop, ça part de là. Tiens, en plus ça a les petites fleurs. C'est magnifique, des belles couleurs. Oh là, faut repédaler un peu là. Tant pis, hein. Faut repédaler un peu. Ah ça va, c'était pas long. Quelle est belle celle-là. Ouh, petite sortie de route. Un petit peu de cassant. Clac, clac. On saute. Ouais. On prend le virage. Droite, gauche, gauche, droite. Ouais. Oh putain, quelle est bonne celle-là. Les gars, faut que vous veniez me voir dans le sud, bordel. Que je vous fasse partager tout ça. Ouais. Un caviar celle-là. Caviar plus plus plus. Ouh. Y'a Fabien qui me colle au cul derrière. Comme une mouche à merde. Et il me met la pression le bâtard. Hein? Oh ça va. Pour l'instant ça va. Oui.
elle est finie. Que du bon, que du caviar, que de la bueno. Allez, du coup, on est rentré. Après cette petite belle aparté, franchement une super descente. On est reparti pour grimper, malheureusement. Ça va picouiller. Bon ben, on a fait les clics à droite trop vite. On n'est pas sur la bonne montée. Du coup, là, on a pris un pétard de Saras. Ah, je pense qu'on va décéder dedans. Enfin, il n'y a pas le choix, maintenant on y est. On est dedans. Bon, j'ai abdiqué. Il manquait pas grand chose, mais. Allez, Thierry va y aller. Il va aller jusqu'au bout. On est avec toi, Thierry. Bon, là, les amis, on a morflé. Voilà, j'ai pris un pet au casque. Là. Oh, le bâtard, elle m'a tué celle-là. On arrive là. Ah, purée. Ah, c'est bien mérité là. Oh. Ouh, quoi. Je regardais la vue là-bas. Je sais pas si vous la verrez bien avec la cam là. Mais c'est magnifique. Et je regardais pas la route, j'ai regardé la vue. Ah, d'habitude on la fait en descente celle-là. Bah elle passe mieux. Je sais pas pourquoi. Oh là là. À vouloir faire le con, j'ai heureusement qu'il était là le truc, hein. Franchement. Bon ben décidément, j'aurais passé plus de temps à pousser le vélo sur cette sortie que dessus. Hein. Oh là là, catastrophique. Catastrophique. Allez, un petit panorama. Ah, les petites descentes, ah, bien méritées, je trouve. Oh putain, par contre j'ai le genou qui commence à tirer. Ça fait une semaine que j'ai mal. Lino, il a voulu je joue au foot avec lui pour ne plus. Oh, tu des cons, le gamin. Ah ouais. Bon, on va fermer sa gueule. Et on va se concentrer. Ah ouais, elle est bien belle celle-là. Oh. Faut s'y mettre dedans quoi. Papa. Là 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 là. Ouh. Ouais, donc je disais, Mino a voulu que je joue au foot avec. J'ai joué au thé un petit peu depuis. Et j'ai le genou en vrac. Hop, moi je vais tout droit. Hein. Je ferai demi-tour en bas. Ouais, je sais, mais c'est pour faire demi-tour. Ouais, du coup, on repédale un peu, là j'ai tourné. Et ouais, donc du coup, voilà. Genou en vrac après le foot à la mi-heure avec le Mino. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je fais 40 ans. J'ai fait 40 ans dans la semaine. Donc, eh ben, ça se paye cash. On va aller où alors? Mais bon, on s'accroche parce que ça aurait été bien que je saute un petit peu la sortie, mais j'ai pas voulu. Ça me fait trop du bien. Vu la semaine de travail qu'on va passer à cause du confinement et tout, ça sera. Ça aère un peu les esprits. Ah, une petite portion de descente avant la remontée. Je suis en route là par contre pour aller choper la dernière descente. Celle qu'on a fait tout à l'heure en montée, ça. Ouais. Yes! Oh, elle était bien technique. Il faut bien choisir sa trace. C'est clair.
Coin-coin, il est tout excité, il s'arrête plus de tourner des descentes là. Il est excité comme un canard en route. Allez, on part tranquillement chercher là. La dernière montée. Avec un petit single. Dans les mimosas. Ils sont pas en fleurs, mais. Ils sont plus en fleurs. Ouille. Allez, j'ai fait ma couille molle, j'ai pas pris la single à droite en montée. Je préfère monter au rythme sur la route. Tranquillou. Mais je monte quand même. Mais c'est plus facile. Allez, on arrive à la chapelle juste avant la super descente. Allez go. Oh, ils l'ont lissé là. Bonjour. Ils l'ont lissé ce passage là, parce qu'avant il était beaucoup plus impressionnant que ça. Allez, ben, du coup on est dans la dernière descente en deux parties. Celle-là, elle va être bien bien technique, et après la deuxième, bon, elle est toujours autant technique mais moins quand même, plus rapide on va dire. C'est du technique plus rapide. Ça, c'est la descente de la chapelle. Allez, là, on reste dans du technique. On est toujours dans la première partie, hein. C'est juste qu'on s'est arrêté pour se regrouper. C'est pas bonne, celle-là. Bien à gauche. Oh, mais elle est toujours aussi bonne. Elle est toujours aussi bonne. Elle est même encore plus bonne parce que j'ai l'impression qu'elle a encore plus ravivé. La counasse. Allez, elle est faite. Maintenant, on va basculer sur la deuxième partie. Ouh. Allez, deuxième partie. Ah, j'ai pas de vitesse. Là aussi, tu vois, c'est ce que je vous avais dit, un peu plus toujours technique mais avec un petit peu plus de vitesse à prendre dedans quand même, enfin pour l'instant quoi, du coup. Plus elle est pas mouillée là, elle est bien plaisante, hein. Attention, attention, attendez. On va attendre derrière. Excusez-nous. Bonjour. Il y en a encore trois derrière. Celle-là aussi, elle est bonne pour clôturer la chose. Il y en a devant encore. Je sais pas si la mascotte, elle est revenue ou... On va aller voir ça. Merci beaucoup, il y en a trois derrière. Ouh. Non, il n'y est plus. Avant, il y avait un sanglier là. Tiens, on en prend une qu'on n'a jamais pris là, pour finir. D'ailleurs, ça se voit, elle
elle est dégueu. J'ai glissé, chef. Ah ouais, elle est bien dégueu celle-là. Elle est. Ah, les pédales, elles passent pas dans l'ombre. Les pédales, elles passent pas dans l'ombre. Ouf. Ouais, ça va. Je pense que c'est par là. Ouais, je pense. Ouais. Ah, je sais pas, ouais. Il y a une petite phrase, je passe. Ah, ça c'était la continuité, ça. Il part comme ça, je peux pas le faire. Bon, mais voilà, les amis. Petite sortie, on était moins nombreux que d'habitude. Mais on en a encore pris plein les yeux avec les panoramas et un régal en descente, encore une fois. Je vous conseille le spot du Fenouillet parce que franchement, c'est vraiment, vraiment top. T'es pas assez éduqué. Et...